Méditation du 22 juin. Le lien parental. Comme père est plein d'amour pour ses enfants, l'Éternel est rempli d'amour pour ceux qui le révèrent. Psaume 103, le verset 13 dans la version Semeur. Le lien affectif entre parents et enfants se crée dès la vie utérine. Les liens affectifs, en particulier avec la mère, influeront directement ou indirectement le développement du bébé. Le contact des caresses, des regards et de la conversation est le principal moyen de créer des liens. Les bébés et les enfants qui ont développé un lien affectif avec leurs parents se sentiront sûrs d'eux et il leur sera facile de s'attacher à d'autres personnes tout au long des étapes de leur vie. L'écoute est le moyen le plus naturel de créer des liens. Écouter est un processus actif qui implique tous ses sens dans le message reçu, peu importe combien le laïus de l'enfant ou le discours du jeune enveloppé dans ses propres réflexions semble absurde ou trivial. Quand vous écoutez votre enfant, faites-le bien. Arrêtez ce que vous faites et acceptez ce que vous entendez, sans interpréter, sans juger et avec une véritable empathie, afin qu'il ressente votre proximité. Il se sentira ainsi très lié à vous. Grâce à une attitude calme et patiente, les parents peuvent sauver des enfants et des jeunes perdus dans leurs propres réflexions. Réalisez que derrière chaque mot, chaque intonation de voix, chaque geste corporel et facial, il y a des émotions et des sentiments sous-jacents méritant d'être explorés et traités. Nier cela peut contribuer à l'expression de comportements provocants et rebelles, ainsi qu'à la méfiance à l'égard de l'amour parental. Les parents doivent être capables de concilier l'affection avec la discipline et la correction, ainsi que l'amour avec la réprimande et la compréhension, afin que l'enfant et le jeune ne se sentent pas perdus dans la mer de la vie et ne soient pas soumis à de fausses valeurs, croyances et philosophies pour survivre. Chère mère, tissons des liens d'affection avec les enfants que Dieu a placés sous notre protection, tout comme il le fait avec nous. Ils ont vraiment besoin de nous, que nous soyons proches, que nous sachions les écouter, les aimer, les soutenir, mais pas que nous soyons distantes, ronchonneuses ou autoritaires. Que le lien d'une mère avec ses enfants est beau. Quel merveilleux privilège nous avons reçu. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.